Numéro 2. Active synchro. Synchro audio. Voilà, donc la 3 on la met tout à l'heure. Ben voilà, quand il y a de l'ombre comme ça, c'est mieux. Ah bon ? De l'ombre, pas du soleil. Non. 3, 2, 1 pour l'audio. Il n'a pas d'ombre. Pour Zoom, 3, 2, 1, maintenant. Voilà. Tiens, tu sens pas le petit frais là, Jean-Luc ? Non, pour l'instant, je sens que ça, je commence à avoir de la fumée à l'arrière. Bon. Et vous, allez. Vous allez avoir du fumé. Et ces moteurs, c'est pas celui-ci après la mise en route, on n'y est pas encore. La mise en route. Donc la visite pré-vol. Effectuée. Barre de traction, elle est rangée. D'ailleurs, tu l'as rangée, tu l'as bien vu derrière. Elle n'est pas sortie, elle est derrière, elle n'est pas sortie. Le ramètre, je viens de le noter, les documents, le siège verrouillé, le frein de parc. Donc je freine et je verrouille. Les volets sont rentrés en butée symétrique. Sélecteur d'essence, il est toujours sur ouvert, le frein de parc, ça c'est fermé. Transfert carburant est poussé, réchauffe. Alors, exercice 2. C'est bien. La mélange mixture, elle est en haut, tout est off. La pompe, elle est off. Voilà, tout est off. Les disjoncteurs sont bons. L'avionique master, il est en bas, disjoncteur. Contact batterie. Donc on est revenu sur 4, même plus, ouais. Sur 0, c'est normal. Donc on a à nouveau nos 3 heures de complet, donc 2h30 de vol. Ce qui veut dire que au sol, on va mettre en route à 13h15, 14h15, 15h15, 15h45. Dans tous les cas de figure, on doit être posé. Les alarmes. Elles sont bonnes. La balise de détresse, elle est armée, elle est toujours dans cette position-là. Les feux anti-col, il est on. La verrière tirée non verrouillée, les ceintures ne sont pas attachées. La pompe, elle est sur on. On entend bien. Le moteur, on va le prendre comme étant froid. La magnéto sur boss. Je pense pas qu'il est froid. Hein, hein. Il n'est pas froid. Il n'est pas froid. Bien, non. C'est bien le sol qui un, se fait froid. 2, 3, 4. Voilà, il n'y a personne devant, putain, il n'y a personne devant. Il n'y a personne, ni devant, 3, ni derrière. 2, 1. Allô, la Terre, pour un essai radio. Jean-Luc ? Allô, allô, allô ? Pour Johan, ouais. Jean-Luc, je vous entends. Très bien. Okay. Le bouton est rouge, on est à 2,43. Continue. Alors, je te fais le plan de vol, s'il te plaît. Donc j'ai démarré à 13. À 13. Bon ben c'est bien. Le moteur est chaud. Et dans le vert, il est déjà chaud, c'est bizarre ça. Ta, la charge alternateur, elle est passée dans le vert. L'avionique master, je l'ai ouvert. Le sélecteur, je ne l'ai pas changé. Transfert carburant poussé. La pompe, je l'ai éteinte. Tableau de bord. Alors moi, je mets tout. Hop. Hein. Dépression gyro, il est dans le vert. On est toujours à 1200 stable. Johan fait le plan de vol. Latis. Tu fais Latis, Johan ? Robigny Latis. Alors la première route, ça sera du 303. Alors là, ça sera plus rapide. Voilà. L'altitude. Dans un premier temps, on cherche 2005. Et ensuite, on voit ce qu'on fait. J'appelle la ceinture, on peut l'attacher. J'ai
je l'ai attaché, bien attaché la saleté. Entre 3 et 4. Voilà. Donc il n'y a pas de radio. Bon, on est quand même au point d'attente, alors je vais faire le lubrifique sécurité. Bon, le lubrifique part déjà, ça sera bien. Donc Sierra, novembre Echo, nickel, elle est active. TFB, parfait. Très bien. On est dans les opérations de vol. On est toujours au midi, donc a priori ça se présente bien. 3 minutes de rotation du moteur, donc ça va. Alors, en termes de briefing décollage, on va bouger là-bas, on va faire des essais. Allez. Allez. On lâche les freins. R. Les freins sont fonctionnels. Tirage à gauche, les caps diminuent, la bille commence à partir à droite, l'horizon est stable. Deuxième essai de frein, c'est bon. Et on vire à droite, les caps augmentent, la bille part franchement à gauche et l'horizon stable. Mobili de Fox, novembre Lima, bonjour. Mobili Fox Golf novembre Lima, nous arrivons au point d'attente pour les essais moteurs.
des caméras numéro 3. Maintenant, 3, 2, 1. Voilà. Johan fera penser quand on va décoller à la Metcom. Donc je disais que je vais arrêter la pompe. Commande compensateur, il est entre 3 et 4. Coller la pompe. Coller un cran à gauche, un cran à droite. L'arrière fermé est en place. Vert ici, vers là. Là, il est même au-delà du vert. Même au-delà du vert. Température, donc tout va bien. Briefing décollage. Alors. Le briefing décollage. Donc, vu que le vent a changé, on va se mettre à gauche vers la 06, en bout de piste. Démarrage, cœur frein. Alors on va quand même réétudier la vague précédemment, parce que là pour la 06 on l'a prévu tout à l'heure. Sachant qu'en fait quand on regarde la vague sur la 06, donc on va faire un départ directement sur le premier axe, donc j'ai mis à 303 degrés pour une montée 3000 initiale. Et ensuite on partira donc bien à gauche. Ce qu'on peut dire que par rapport à ça ici, au Morantin, nous on est là. Donc on vire, on fait attention parce qu'on est vraiment à proximité. Donc il faut virer assez rapidement en fait. Faut virer assez rapidement, on respecte le circuit. Donc certainement à 500-600, virage à gauche. De toute façon toi tu la verras la ville, au-dessus tu veux le lire. Donc virage à gauche et on réintègre quelques degrés pour prendre l'axe. Très bien. Vitesse de rotation, vitesse de décollage 54 nœuds, 70 fois. 80 en vitesse normale. Pour le briefing décollage, je vois rien d'autre à dire. Donc ici on est à combien de degrés là? 33 degrés, donc on est sur du 600-650 mètres. La piste en fait, alors tiens justement de ce côté là, elle fait combien la piste? À 1015. Elle est à 1015. Bon donc on a la marge, même si on multiplie par 1,3, on était à 760-780. Ouais. Donc on a 200 mètres de marge. Donc on aura dépassé la DF15. Normalement, alors justement, 4 pannes avant le décollage, on ralentit, on freine, on réduit tout, on freine, on revient au point de départ en 4 pannes mineures après la rotation, donc on fait décollage, tour de piste en main gauche, altitude tour de piste 1600 pieds et on revient se poser en 06. En 4 pannes majeures après la rotation, on rend la main, 79, atterrissage d'urgence en secteur avant, à savoir... devant nous là-bas et on s'arrêtera avant les arbres si tout va bien, sinon ben on verra bien. Il n'y a pas de vent, donc le vent il est plutôt léger et quand il est de face frontale, okay. Ce qui est tout bon pour nous. Ok. Particulier Johan, c'est bon, le passager ok. Ok. Ok, alors on va dire qu'il est 24, ça sera le décollage vers 25. Il fait déjà chaud. Mais il y a longtemps qu'il fait. Ah ouais. Bah, je commence seulement à avoir chaud. Ah bon. Ah. Aubigny de Fox Golf, novembre Lima. Donc nous sommes au point d'attente. Nous remontons la 06 pour un décollage en tout début de piste. Et un départ sur Orléans, cap 300. 330. 300. Voilà, 1000 tours, tranquille. Le moteur est bien chaud, l'huile elle est bonne. Ah, il a 70. Pour une fois, il a 70. Ça suffit. Ah, le vent léger et calme aussi encore. Il y a une raquette, la raquette à la raquette gauche. À gauche. Ouais. Freinage efficace.
Bangkok et on est dans l'axe 06. Je suis aligné. Je suis bon. Pas embuté. Tiens, si Johan a toujours fait ce problème là. Alors. Là, je me sens que je suis à peu près embuté là. Tu peux pas aller plus loin, toi. Tu peux encore reculer. Non, c'est bon. Très bien. Alors, tu n'aurais jamais besoin de faire jusqu'ici. Ouais. Alors, donc on est dans l'axe, puissance maximale, départ sur frein, point de volée, la pompe, et 27 au départ 26. Temps sur frein, 2000 affiché, 2100 disponible, talon au plancher. Mobilis, Fox, novembre, Lima, décollage 06, dur. Ouais, enfin bon, il y en a l'autre. Badin actif, pas d'alarme. La manche, pas de vent. 49, 44, 48, 51, 55, rotation, palier, accélération. Voilà. Montée initiale. On a dépassé les arbres. On est dans l'axe de pitre. Montée initiale 70. Laisse accélérer un peu. Ouais. 70 nœuds, la ville est devant. Bon, j'oblique légèrement à gauche. En France, vitesse. Obini, Fox Novembre, Lima, en montée initiale. On est à 2300 tours. Ah, il a chaud là. En peu de vitesse, ça lâche la chaud. Ok, 1000 pieds, on est 400 pieds au-dessus. Voilà. Prends un peu au nord. Ah, la 82, c'est bon, ça va mieux. Voilà. Donc il était 26. Je recherche l'axe vertical. Donc là c'est confirmé, on va monter. 30 degrés. Ouais. En tout cas on voit la centrale là-bas. C'est mieux de ne pas y aller. Hein. Ah, il monte pas beaucoup en régie, en vitesse. Hein. Il monte à 82, là, c'est ce qu'il faut. Hein. Oui, 89, laisse pas. 89, c'est bon. Ah, là, c'est la vitesse normale. Bon. Ok, on va se mettre dans l'axe. Non. Maintenant. Faire gentiment, ça évitera d'y tirer dessus. Elle est où la centrale? Elle est là-bas. Ok, 300. En fait, ça c'est la centrale de... C'est on quitte la fréquence et on bascule, ouais. On va commencer à écouter... On va écouter 118.05. Ok, tu quittes la fréquence. Alors attends, voir. C'est où le terrain là? Mobini, Fox Novembre, Lima, nous sommes 2000 pieds au nord du terrain, nous quittons la fréquence en direction d'Orléans. Au revoir, bonne fin de journée, bon vol à tous. Oh, tu sais quoi, j'ai envie de les appeler même pour 3 minutes, même pour 5 minutes. Ok. C'est l'information de Fox Novembre Lima, bonjour. Oui, mais pas eux. Novembre Lima, c'est l'info, bonjour. C'est l'info donc du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, un DR400, 3 personnes à bord. En départ de Obini, LFEH, à destination de Logne. Par la TMA Orléans, donc nous sommes actuellement sur une route 300, 2500 pieds, en montée 3000 dans un premier temps pour passer en fréquence avec vous. Reçu, affiché 70-30, vous êtes identifié, pas de trafic connu à vous signaler. 70 combien? On sait pas. 70 combien? 7030, 70-30. 70-30 affiché, Fox Novembre Lima. Hop là, 2500, j'ai dit dans un premier temps. Fox Golf, bravo X-ray, novembre, bonjour. Alors, on affiche
On est sur du 300, c'est bien, on a la symétrie. Et on a la TMA là. Orléans est là-bas et on voit pas encore la centrale. Par contre, j'ai pas la vitesse. Scène de Fox Golf Bravo X-Ray Novembre. Un 9 nœuds de travers, gauche. Ah, on se fait secouer là. Vache. Ah ouais. Et on a bien la trace de la Sierra. Oscar Novembre, bonjour. Il faut que ce soit le Sierra Oscar Novembre, c'est un info moulant. Oscar Novembre, ADR 4.1. AP, personne à bord. On vient de décoller de 3 à destination de Orléans-Saint-Denis. En estable 3500 pieds. Hôtel Sierra Oscar Novembre identifié, affiché 3450. 3450 pour Oscar Novembre. Information du Fox Novembre Lima. Ton image écoute. Donc Fox Novembre Lima, nous sommes 3100 actuellement, nous souhaiterions passer donc au 445, FL45. Bon, super trafic connu, vous signalez pour la montée. Et il y aura du planeur à Mézières-les-Cléry ainsi qu'à Orléans-Saint-Denis. Bien pris pour le trafic des planeurs, donc nous montons 4500 et après nous passerons en fréquence certainement avec Orléans dans pas longtemps. Allez, puissance max. Emma. La mixture est en haut. On prend du 82. Essence, elle est ouverte. Le gyro, il était OK. Pour le cap. Alors, monsieur Oscar, novembre, pas de trafic connu, vous signalez pour l'ombre. Oscar novembre. La radio, on l'a faite. Hein. 305, ah tiens, ça y est, je vois la centrale là-bas, c'est bon. Donc tout en monte à 400 pieds minutes là. On va le tourner plutôt comme ça. Passant toujours. Tiens, ça c'est la meute Beuvron là-bas. Station à plan scène, bonjour. Oui, bonjour, c'est un rallye, Fox Golf Bravo X-Ray Novembre, de tout suite à tout de suite. On est au sud de la Ferté Allée, à 1500 pieds, Montargis, Orléans. Et... Golf Bravo X-Ray Novembre, alors je suis pas sûr d'avoir tout reçu, vous avez été coupé sur la fin, affiché 70-31, enfin, 70-31. 70-31 X-Ray Novembre. Fox Golf Bravo X-Ray Novembre. C'est le Fox Golf Bravo X-Ray Novembre. Fox Golf Bravo X-Ray Novembre, j'ai bien reçu le 70-31, donc vous êtes identifié, par contre je ne vous reçois pas. Au transpondeur. Alors maintenant je vous reçois, j'ai reçu juste la fin du message, vérifiez bien que vous appuyez au bon comme il faut sur Alterna, parce que j'ai pas tout l'ensemble de vos messages. Oui, ça passe bizarrement, c'est... Alors on est à rallye de tous, un cirque, à Morée, Montargis, Orléans et retour Toussus. Reçu. Donc là j'ai tout reçu, Montargis, Orléans, retour tout su. Pour information, il y a une grosse activité Vélivole à Morée, une compétition en cours. On va rester là loin du terrain et X-Ray Novembre. C'est à 3 minutes de la carte. C'est l'information de Fox Novembre Lima. Novembre Lima.
Novembre Lima, nous sommes 4500 pieds, qui pouvons vous quitter et passer avec Orléans. Reçu, Novembre Lima, eh bien 7122 décimales 7, à plus tard. 7122 décimales 7, merci, au revoir, à plus tard. Orléans approche, Fox Golf, Novembre, Novembre Lima, bonjour. Orléans approche, dit Fox Golf, Novembre, Novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, bonjour. Donc Orléans approche, le Fox Golf, Novembre, Novembre Lima, un DR400, 3 personnes à bord. Nous venons de quitter Aubigny, nous sommes 4500 pieds. Pour passer en fréquence avec vous, un transit de vos, espaces depuis Sierra, enfin notre position actuelle, Sierra de LFOJ. Novembre ICO et ensuite une route sur Étampes. À 4500 pieds. À 4500 pieds, affirme. Dans par l'est de la ville d'Orléans. C'est dit là. Non, on passe. Non, non, on passe pas la ville d'Orléans, on passe au sud par le trajet que je viens de vous indiquer. Sierra et Novembre ICO. Et pour information, les TMA 5 et 6 pour l'instant sont inactives. Vous me rappellerez entrer dans ma TMA 1 si besoin. Donc les TMA sont inactives. La 5 et 6. 5 et 6, c'est bien reçu, merci. Alors on va se mettre en, barreau 1013. Alors, 13. Ok, bah tu vois, on a perdu les, 180 pieds que j'avais. Ok, on n'a plus qu'à se stabiliser. On reste sur le 300. Ça fait 46. Ok, on a 2500 presque affiché. Et sur 300, légèrement à gauche même. Donc on a franchi la Meute Beuvron et on va passer dans... Ah non, pas encore. Ben Orléans vu de haut, c'est joli aussi. Ah là, Johan va s'endormir. Ah bon. Ah ouais. Ouais, il a décidé. Sierra, c'est un échangeur. On dort en plus, hein. Donc c'est bon, non pour nous c'est bon. Donc on fait ce qu'on veut là. Oui. Là, on a la Loire là-bas. Et je viens ici pour passer en espace contrôlé, tu sais. Ouais. Et c'est inactif. Alors on a la centrale là-bas. De toute façon on peut passer au-dessus de la centrale, on est au-dessus de 3700. Ouais, je te conseille pas. Ouais, j'ai pas envie, mais on pourrait. Ouais, oui, toi, oui, oui. Également, oui, mais jamais, donc... Là, il y a une ville qui a l'air d'être un petit peu grande, on va l'éviter. Mais Sierra, entre Sierra et Novembre ICO, il faut pas rentrer dedans. Ça, c'est classique. Ça, c'est actif. D'accord. C'est pas le reste. De temps en temps, mais... Ok, merci.
D'accord, donc ça c'est la Ferté-Saint-Aubin. On est un petit peu plus au nord de l'axe, c'est ce que vous dites, de toute façon. C'est pas étonnant puisqu'on n'a pas fait d'Erty. C'est pas mal à 4005, hein. Ouais, on passe au-dessus de la voie de chemin de fer, là. Droite, c'est Orléans. Oui, il y a droite, c'est Orléans, ouais. On se fait quand même secouer, là. Oui. 21 degrés, pourtant. Enfin, nous, ici, il fait 21, donc c'est vite. Alors on mixture un peu. Quand on est sur du 2005. Top ouais, 1 cm. Ah c'est bon ça. Ah c'est fait ça. Il n'a pas ratatouillé hein. Il ne faut pas oublier de monter avant de descendre. Ouais. Ça nous rappelle si on oublie. Ok. Là, on a un terrain là-bas. Ça doit être Brissy. Là, il va y avoir une autre route. Ouais, bah tiens, on est dessus, c'est l'autoroute justement. Là, donc on est quelque part par là. C'est l'anneau de la rivière, là, de la Loire. Ok. Pas loin derrière, on a Sierra. Tout à fait. Sur l'autoroute. Ouais. Ça va, Jean-Luc? Ça va. Moins confortable qu'à l'aller, mais bon. Ouais. On s'y attendait, hein. Ah oui. Alors Orléans, évidemment, ça va. Fox Novembre Lima, Brissy Alfred. Fox Novembre Lima, je vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes sous votre fichier 3650, vous pouvez prendre le transit s'il vous plaît. 3650 pour le transpondeur. C'est affiché pour Fox Novembre Lima. Novembre Lima, combien de personnes à bord? Donc Fox Novembre, Fox Golf Novembre, Novembre Lima, 3 personnes à bord. Au départ de Obidu à destination de Lloyd, donc transit. Par le point Sierra, nous y sommes dans 2 minutes, ensuite Novembre Eco de Châteaudun à 4500 pieds et nous irons ensuite une descente sur Étampes. Ok, pas de soucis, transit approuvé en CMA1. C'est bien reçu, merci pour le transit approuvé, Fox Novembre Lima. La visuelle sur Brissy, c'est la première fois que je le vois. Ah bah tiens, le Sierra il est là-bas. Là, il y a ce gros truc au milieu de l'autoroute, là, c'est ça. Ah là, je reprends ma route initiale. Alors, on arrive, on est 2450, c'est bien. Dans le vert, c'est dans le vert, le charge, elle est bonne, les deux batteries sont bonnes, la pompe est off. T'as pas de batterie. Ah, les deux sont bons. Ouais. La charge, elle est bonne aussi. 46, on arrive sur Sierra dans 1 minute. Le point suivant, ça sera, enfin la route suivante, ça sera du 343. On est ici à Paul, de Fox Café, Sama et Peter, bonjour. Fox Sama et Peter, bonjour.
Oui, c'est un Aquila, Foxy Golf Extrême à 8 heures pour l'Anse de Blois, destination de Toussus-le-Noble. On est actuellement à l'ouest de la route vers le Château d'Ain, 2000 pieds. Petite image du côté d'Orléans, vite de l'échange, et ça sera bien. Je suis Mike Victor pour le transit affiché 36-51. 36-51, Mike Victor. Elle est belle. Regardez, il y a un petit pont en dessous là qui est sympa avec un espèce de viaduc au niveau de la ville. Jean-Luc. Quand on était venu avec l'escadrille ici, on resalue les copains. On était parti justement de Châteaudun ou de Bourse. Victor, transit approuvé en TMA1, le braqué en sortie, le QNH 1017. Ok, donc on est vertical, Sierra. Deux personnes à bord, ma Victor. Le côté stabilisé des photos est pas garanti. On verra bien. Ah, surtout celle-ci, hein. Ça sera mieux que pas de photo. Ah, elle est belle la Loire, hein. On voit bien la... Ouais. Allez, virage à droite, personne. Et 40... Facile de prendre un... sur des étals. Non. Sympa. Pour les vols, je mets toujours celle-ci, je préfère, plus rapide. Voilà. 47, 9 minutes. 47, 1, 50, 1, 06. Je me trompe pas, c'est Brice ça va. Ah, c'est Brice ça, ouais. Ouais. T'avais dit pour voir des accès à 400 m. Bah alors oui, c'était en dessous là. Dans une zone de... Enfin, je suis pas hypé quand il prévoyait une zone en dessous là. On est pile à la verticale, mais limité à 1500 pieds. Et apparemment, il n'y en a pas aujourd'hui puisqu'on l'a pas vu écrit. C'est quoi là? À droite, à Brissy. Brissy, d'accord. Ouais. Orléans-Brissy. Intérêt militaire. Au J. C'est un intérêt militaire. D'accord. Michael Victor, Brissy approche.
Mike Victor, j'écoute. Et vous arrivez en sortie de zone, vous rentrez dans l'espace aérien non contrôlé, affiché 7000 au transpondeur et quittez la fréquence. 7000, je quitte Fox Mike Victor, merci. Bien. Non, il faut appuyer sur CDI avant. Hein? Si tu veux le voir, il faut appuyer sur CDI. Ah oui, c'est vrai. Alors, la course, c'est combien j'avais dit? 325. Non, 0,55. Ça fait calme tout d'un coup, hein. Ouais. Ça fait sacrément calme là. En termes de repères au sol, là, il n'y a rien du tout. Hein. Ah, à part l'aéroport, en fait, il y avait là, une route qu'on a passée tout à l'heure, là, et puis maintenant, les éoliennes à droite. Et devant. Ouais. Tout à fait. Et novembre écho, c'est un peu après les événements, ouais, après les autres. T'as toujours pas le terrain? Brice approche du planeur Mike Charlie, bonjour. Le terrain, si, il est là. Ouais. Planeur Mike Charlie, bonjour. Le planeur Fox Charlie, Juliette Mike Charlie, un planeur au décollage à l'instant de Mézières. Je suis transpondeur 7000 à 2000 pieds, je suis en train de rentrer dans votre zone à cause de du vent qui pousse ma spirale, hein, le vent de sud. Souhaitez-vous que je mette un code transpondeur particulier? Eh bien, on affiche 36-51, 365 unités. Alors pour Mike Charlie, 36-51. Ah oui d'accord, ok, ça y est, ouais. Là c'est quelle piste? Donc là c'est Châteaudun. Donc on va pas tarder à rentrer sur le bord là, enfin pas tarder. Encore un petit moment mais bon. Mike Charlie sur 36-51. C'est Mike Charlie. Donc essayez de rester le plus au sud possible de la CTR. Alors de Mike Charlie, je prends un peu d'altitude. Dès que je peux, je m'éloigne un peu au-dessus. Je vous préciserai mes intentions un peu plus tard. Il n'y a pas de souci, vous êtes seul à bord? Une seule personne à bord. Ok. Donc c'est novembre Lima, vous ici approche. Novembre Lima, vous écoute. Eh bien vous arrivez en TMA 7, elle est désactivée, vous entrez en SFR non contrôlé, affichez 7000 au transpondeur et quittez la fréquence, à bientôt. C'est reçu, nous affichons 7000 au transpondeur, nous quittons la fréquence. Au revoir, bonne journée madame. Ben. Elle a viré. Alors la 7 suivante c'était 134-875 pour moi.
Alors attends, je vais focaliser sur le virage. La mise dans l'axe et ensuite on cause. Voilà, j'attends d'intercepter le vent en fait. Voilà, allez, on vire. Donc 0,55. Hop, un peu plus. On est arrivé très vite dedans, disons, plus que je l'aurais pensé. Ok, je vais le récupérer et on y va. En même temps, j'entame une descente. 115 nœuds constants. Voilà. Pleine information du Fox Novembre Lima, bonjour. Pleine information de Fox Novembre Lima, bonjour. Oh, ils sont pas actifs. Pas très vite sûr, hein. On va passer sur l'autre. Ouais. 100-400 direction UCR, altitude 5000 FL 055. C'est copié, Fox India, poursuivez. Merci, Fox India. Je descends. Bon, ouais, pour remettre la 4000. Ah, mais non, j'adore. Au moins, tu commences à descendre. Ouais, ok. C'est une information du Fox Novembre Lima. Fox Novembre Lima, bonjour. C'est une information, bonjour, du Fox Golf Novembre, Novembre et Lima, à DR400, 3 personnes à bord. Nous sommes partis de Aubigny, nous avons fait un transit à proximité de Châteaudun, actuellement sur une route magnétique 050 en direction de Étampes, 4000 pieds pour passer en fréquence avec vous. C'est Golf Novembre, Novembre Lima, vous êtes identifié radar, les Renault 119 sont a priori actives devant vous, il faudra les éviter par la gauche, je pense, ce sera plus simple. Les transpondeurs 70-34. C'est reçu, par la gauche, j'évite les zones devant nous, on reste 4000. Là, le GPS il est génial là. Hein? Les deux ronds là que tu dois éviter. C'est ça là, c'est le grand rond principal là. Donc là on l'a tangenté là. Donc je vais me mettre un peu plus loin puis je reprends la route initiale. Effectivement, c'est ça l'avantage du GPS. Et là, tu peux pas te tromper. Ah. Donc, il y a deux semaines, quelqu'un de chez nous, il a survolé, rentré dans une zone P. Avec les équipements que vous avez, oui, sur vos appareils. Oui, il a pas, oui. Il va tout droit, il ne regarde pas, il discute. Il s'est rendu compte de rien. Il arrive, il atterrit. Avant de quitter la fréquence,
La tour lui dit, vous pouvez passer un peu nous voir. Pense les voir, alors dit, vous avez passé dans une entrée. On fait un procès, après c'est rien de... Quand c'est la tour qui le convoque, c'est pas gênant. Quand c'est les gendarmes qui sont à l'arrivée, c'est plus embêtant. Ouais. J'ai vu un avion derrière nous, elle est derrière et beaucoup plus bas. Je le vois plus. Ok, donc on a ce patin devant nous. Je vais passer à côté, on sera de l'autre côté de la zone. Et je réintègre à ce moment-là. Ok, à partir de maintenant, c'est bon. On descend 3005. Faire chercher la radiale. Voilà. Non, je vais rentrer à nouveau dans la zone. Donc j'ai remis la mixture en haut. Ok. Confirme. Donc à gauche là-bas vous avez Charles. Donc on descend avec 3000 pieds, pardon. Sam, Oscar Novembre, on approche de Saint-Denis-de-l'Hôtel pour passer avec eux. Oscar Novembre, et bien 7000 au transpondeur et Saint-Denis 22 décimal 4, au revoir. 7000 au transpondeur et 124 avec Saint-Denis, bonne journée, au revoir. On va rester 3005, j'ai l'impression qu'on risque de se faire secouer quand même. Ah oui. Ah déjà là, ça, oui, ça bouge un peu plus que tout à l'heure. Hein. Ah le truc à gauche. Donc là c'est la petite zone à gauche là qui est juste au nord de la zone. Gaz, avion devant nous. Il est juste dans l'axe, légèrement à droite, mais là il a disparu. Juste pour savoir si le terrain est serré, il y en a la joie à fiche ou pas de Fox Center. Vous le voyez là-bas? Ou c'est un peu à l'heure? Ah, ça y est, c'est un peu à l'heure. Ok. Ok. Salut Jean-Luc, merci. Ok, bah en fait c'est peut-être des planeurs, il y a Étampes, il y a des planeurs à Étampes? Non. Ah ouais. Ah si. C'est des planeurs? Ouais. Fox Fox India, il n'y a personne à Auxerre. Merci. Okay. Bon ben je redescends 3005. De toute façon il va chercher à monter. On sort du secteur. Étonnant qu'ils signalent pas l'activité. Ouais. Ils en ont signalé une tout à l'heure, mais je pensais que c'était Romorantin avec un autre nom là, mais... C'est une information du Fox Novembre Lima. Novembre Lima, allez-y. Donc nous avons contourné la zone indiquée. Nous sommes en... Je reprends l'axe vers Étampes sur l'RM 55 depuis Châteaudun. Pour information, nous avons visuel sur un planeur à quelques nautiques devant nous. C'est reçu Novembre Lima, je le note. Et je l'ai rappelé pour passer avec Étampes. Je rappelle donc que nous avons le visuel avec Étampes, Fox Novembre Lima. Dès à présent, qu'on fait un... Affirmation, Bullseye 441, Coupey, 5770, cette porte de Sicilier. Tu pars à gauche ou à là? Ah non, je vais maintenir à gauche là. Ouais, je vais intercepter par la gauche pour le laisser là-bas. Ah ouais. Ouais, parce qu'il est quand même pas
Stagiaire blanc. Then the Blue Tape 441 and whatever 701 but the PCD. Blue Tape 441, approach good day, maintain flight 70, direct PCD. Which kind of approach do you request at Saint-Denis? First of all, we need to perform a flight precise all at PCD if it's possible. On radial south, right turn, 3 nautical miles, and the airport at Orléans would be air nav 23 and 3 circle for the runway 05. Blue Tape 441, that's copy the net route for the maneuver 3 miles from PTV right turn. And copy the RNAV 23 approach. You call me back when your exercise is complete to resume approach. Yes, thank you very much. And so after the hold at PTV, we make some evolution at the east of the VOR. And I'll call you back when I finish to resume navigation, Blue Tape 441. Thanks. Info de Foxtrot India, juste pour voir vos infos, je commence la descente vers 2500 pieds. Foxtrot India, c'est reçu, rappelez pour passer avec Auxerre. Je rappelle, en sortie vers Auxerre, Foxtrot India. Bon, je le vois plus là. Ah, non, il doit être bien derrière maintenant. Il était en spirale et en même temps il se décalait. Ouais. J'ai encore une info de Foxtrot India, juste de PNH. 2017. 2017 de PNH, merci, c'est une info de Foxtrot India. Olien, elles sont toutes à l'arrêt. Alors, on est à proximité de Étampes, autoroute. Ah ben on est là alors. Quelque part par là. Fox India, vous êtes à 3 minutes d'Auxerre, vous pouvez passer 7000 et quitter la fréquence 129, au revoir. 7000 au transpondeur, merci pour toutes les infos, c'est l'info de Fox India, à tout à l'heure. Ah, combien 2005 ouais. Voilà, j'ai l'axe. Ok, visuel sur Étampes là-bas. Ah, oui, je vois. Nous. Après la route, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est une information du Fox Novembre Lima. Fox Novembre Lima. Donc nous redescendons 2000, nous avons un visuel sur les installations d'Étampes. Nous allons transiter au-dessus de la RMZ en destination de Bravo 2 pour retourner sur Logne. C'est aussi Novembre Lima et approuvé, je vous rappelle pour passer avec Logne ou Melun en autre info. C'est bien reçu, merci.
ok, la RNZ, 2000 pieds. Info du planeur Mike Charlie, bonjour. Plein info du planeur Mike Charlie, bonjour. Je vous rappelle, station 30. Station Pansen, je vous écoute. Le planeur Fox Charlie, Juliette Mike Charlie, un planeur au départ de Mézières, une seule personne à bord. Actuellement 5000 pieds au sud d'Orléans. Simplement pour votre information et sur les recommandations de Brice Approche qui vient de me libérer, qui a aussi libéré la sa 5.1, je vous signale ma présence. C'est parfait, Juliette Charlie, Mike Charlie, est-ce que vous souhaitez le service d'information de vol? Non, c'est bon, je reste un petit peu en écoute, mais sans plus, parce que je souhaite aussi de temps en temps retourner sur fréquence Mézières 122.5. Il y a d'autres planeurs en vol en local à Mézières, mais je pense que vous êtes informé. C'est reçu, Mike Charlie. Si vous mettez le transpondeur on et alt, c'est parfait, je suis, vous regardez l'écoute, et je vous considère comme juste à l'écoute de ma fréquence. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Extrait novembre, je souhaiterais vous quitter pour contacter Brissy. Extrait novembre avec 7000 au transpondeur quitté Brissy 122.4, au revoir. C'est 122.7, extrait novembre. Exact, 122.7, excusez-moi, 122.4 c'est Orléans-Saint-Denis et ça ne vous concerne pas tellement. Donc oui, 122.7, ce sera parfait. Merci beaucoup, je passe sur 122.7, extrait novembre, 7000, au revoir et merci. Sam, good afternoon, Hotel Bravo 260. Hôtel Bravo 26 One, Goël. Personne depuis tout à l'heure. Hôtel Bravo 26 One 0, SMS 10, VFR Flight with Lifeline from Lima, Foxford, Québec. Bravo to Lima, Sierra, Golf Bravo 26 UB. We are leaving 3, just passing 3 VOR at 4000 feet on 1018, climbing to 9500 feet, proceeding via Semur and then Chalon. Copy d'Hôtel Bravo 2610, identified, scope 3451, flight level 905 approved. 3451 is coming down, climbing to 9500 feet on 1018 is approved, Hôtel Bravo 2610. Étant par la gauche, ben là je descends pas moins de 2000 pieds. Par contre, on se fait savasser. À hauteur de la ville, il descend de 1500. Voilà.
aller comme ville étampe. Du monde à la piscine, hein? Du monde à la piscine? Ouais. Ah oui, la vache. Ah oui. Ah, dis donc, ouais. Paps. 500, allez hop. Blue Tie 4, Blue Tie 4, 4, 1. 4, 4, 1, go ahead. Blue Tie 4, 4, 1, maintain flight level 7-0, steady, traffic, Airbus 320 is cleared 1,000 feet above your clear. Okay, we maintain flight 7-0, steady, Blue Tie 4, 4, 1. And we are turning up in the old flight now. Copy 4, 4, 1, you report to begin the approach. We report to begin approach, and may we make some evolution at the east of PCG, please? Approved, 441, as long as you maintain flight level 7-0 so far, it's approved. Cool. Après, je vais mettre un seul, tu remontes. Mais attention, t'as été poussé vers le haut, c'est incroyable ça. Ah ouais, remarqué ça. Traffic inside Blue Tie 441 is restored, beam left, is that, that's correct? That's correct, it's 8 miles north, but it's a medical emergency, so traffic may maneuver. But Blue Tie 441, thanks. Now on a... Une information de Fox Novembre Lima pour vous quitter. Novembre Lima avec 7000 quittés, au revoir. 7000, on quitte, au revoir monsieur, merci, bonne journée. La Ferté Allée, là. La Ferté Allée de Fox Novembre Lima, bonjour. La Ferté Allée du Fox Golf Novembre Novembre Lima, DR 400, on approche 1500 pieds depuis sur une route étampe sur votre axe. À destination de la CTR de Melun, visuel sur le terrain, vertical dans 1 minute 30 à peine. Je le vois pas, il est au terrain, là. Là, là, c'est le terrain. Sur, sur le plateau, là, à droite. Ça fait un plateau. Ah oui, ok. Là, c'est ça. Tu veux pas te tromper, t'as le grand hangar, là. Le grand plateau énorme, là. Ah oui, oui, oui. Deville, Ballancourt. Les caméras fonctionnent, la mienne aussi. Sur la mienne. Oui, oui. Bon allez, on se pose, hop, on se pose. La Ferté Allée, Fox Novembre Lima, verticale du terrain. Ballancourt à gauche.
Ah, regarde, Johan, ça c'est un très bon point de repère. Hein. Alencourt avec son espèce de... les zones périphériques là. Ouais. Là, tu prends, tu mets ça, tu tangentes et on voit Bravo là-bas. Ah, Bravo, c'est les hangars qui sont là. Les hangars sont là-bas, ouais. On peut aller là, tu peux contacter. On va quitter. Ouais. Affaire d'aller du Fox Novembre Lima, nous arrivons vertical, Balancourt, nous vous quittons. Au revoir, bon après-midi et bon vol. Je te prépare la piste. S'il te plaît. On va monitorer la fréquence dans le CTR comme ça. On aura la piste avant. Donc on arrivera à 25 sur Bravo. Pas personne. T'as fait ton message? Non, pas encore, non pas longtemps. D'ailleurs maintenant. Melun du Fox Novembre Lima, bonjour. Melun, le Fox Golf Novembre Lima, DR400, en provenance de Étampes, à destination de Logne. Nous sommes à 1 minute 30 de la verticale de Bravo. Rappelons Bravo. Melun de novembre 72, Fox Delta, bonjour. Melun de novembre 72, Fox Delta, bonjour. Un Cessna 172, une personne à bord provenance Logne. Au nord de vos installations, on veut transiter pour une direction de d'Orléans. T'as dit quoi? On a transité direction Orléans. Au nord des installations. Plutôt vers le sud, vers Sierra Mike alors. Il n'a pas précisé. L'information de sécurité 2 actuellement au point au parking à l'aviation générale, inspection de piste et rails, bonne journée. Du Fox Novembre Lima, nous sommes vertical Bravo, donc nous pesterons la CTR 1500 pieds en direction de Novembre. Je fais monitor relatif. Vas-y. Je suis soleil. Donc golf, merci. Côté. Novembre 62 Fox actuellement à novembre à 1500 pieds QNH. Je prends la direction de la verticale pour prendre ensuite la direction d'Orléans. Ouais, golf bravo, on passe 2000 pieds en montée 2005, travers est du château de Volvicomte et on rappelle en sortie sud. Golf, thank you. Bonjour, ici Jeanne, information. C'est un peu loin, non? Ah. Ça va arriver. Ouais, les grandes antennes à droite. Merci. Good. Mais c'est les grandes antennes justement des saintes. Mince, à chaque fois j'oublie, non? Non, c'est pas grave. Mais c'est les antennes militaires, ça. T'as D'accord. Donc, François Victor, on montait 2000 pieds pour passer à la verticale. 1-5-8, formel à 65, as you have received information golf, thank you. Bonjour, ici Jeanne, information golf enregistrée à 12h20, UTC, piste en service 08. Attention, c'est caviar, vent en 50 degrés, une visibilité 10 km, température 3-2, QNH, unité 0, unité 7. Good.
coucher du soleil à 19h18. Informez-le du premier contact que vous avez reçu, information de Golf. Merci. Donc, information Golf, piste 08 en service, vent 150, whip, température 32, barreau, unité 0, unité 7 sur le barreau. D'accord, tu vas corriger le barreau. Ouais. Et mon auto du Fox Bravo Tango depuis Whisky, je pénètre, je remonte et je m'aligne. Je vais passer par là. T'as vu la prison, elle est là. On l'évite. Hein? T 0, unité 7. Par là-bas du côté de Volvicomte. De la route en fond de novembre 62 secondes à la verticale dans 2 minutes à 2006 QNH. Aligné, je décolle, piste 10, virage droite au sud, montée de 1500 pieds. Salut sur Paris. Ouais. T'as un incendie là-bas? Ouais, ça y ressemble. Robert là. Et ben, au Golf Bravo, on a passé Sierra Mike en Uber 2005 pour 3500 pieds. Ah, je vois la ligne de chemin de fer. Probablement novembre devant. Ok, je descends 1200 alors. Fox Novembre Lima. Donc la Melun, Fox Novembre Lima, nous sommes environ 1 minute de novembre 1400 pieds, descente 1200 pour passer avec Lloyd dans 2 minutes. L'information Golf, piste 08 en service, 150 wind, température 32, MH 17, unité 0, unité 7. Oui, je l'ai mis le barreau. Oh, ok, je confirme. Le sentier, je vois personne. Novembre, personne okay. À droite, personne à gauche. Donc on part par là-bas et ensuite on vire à droite. Ok, c'est bon, je vois. Jean-Luc, s'il te plaît. Les Golf Bravo est à 3500
passer travers Fontainebleau, travers Est et Ouest, pardon. Et on va passer avec Seine. Bon, voilà tout. Melun du Fox, novembre Lima, 1200 pieds. Nous sommes à novembre, nous vous quittons pour passer en fréquence avec Bonne. Au revoir, bonne journée. Formation Golf. Pareil, Golf, confirme. Logne autour du Fox novembre Lima, rebonjour, de retour avec l'information Golf, nous passons en novembre. Novembre Lima, Logne tour, rebonjour, transpondeur 3730, rappel écho. 3730, on rappelle écho, Fox novembre Lima. Moi je le passe par là-bas justement. Là t'es directement terrain devant toi. Ouais. En fait comme ça là, et après ici là tu vois. Et d'habitude je vais sur les hangars là. Ouais. Donc là normalement je sors par ici, à 1400. Là je fais le chemin de l'inverse et je vais aller sur Echo là-bas. Ah, regarde, on voit le... Ok. Moi je ressors, d'habitude je sors par le là, là-bas, par les efforts. Le ballon, c'est bien. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, je vais aller un peu vers le ballon. Ouais, ouais, c'est et cool. Après, je vais monter sur hop, là, 1300. Belle sur le terrain à gauche là-bas. Donc, c'est la 08. Et donc. Ça fait la rentrée vent arrière. Donc en rentrée vent arrière, classique. Ouais. Installation Pénin. Fox Kilo Papa en début vent arrière sur une option 08 dur. Fox Kilo Papa numéro 1, rempli final 08 dur. Bon, on appelle en finale 08 dur. J'allais dire, elle fonctionne la caméra sur ma tête. Fox Kilo Mike, bonjour. Bonjour Fox Kilo Mike. Fox Kilo Mike RDR, 4 fans, personne à bord, parking des pompes avec l'information Fox pour rouler au format de la 08, que ce sera un arrivée de changement avec un retour sur la journée. Fox Kilo Mike, roulez point d'attente, piste 08 dur, rappelez près. Et voilà, il est stable là quand même. Fox Kilo Mike, 37 vents, transpondeur, on roule au point d'attente de la 08, deux rentes là après. Pas personne. Un terrain en boulet là-bas, enfin, avant du boulet. Belle vue sur Paris, hein. On doit avoir l'obélisque pas très très loin à droite. Hein. Alors attends, on va voir comment je vais négocier. Ah. Ok, je vais viser là et j'enroule le truc. Allez, on amorce gentiment. Encore en finale, tu auras un peu de vent de droite. Un peu de vent de droite, d'accord. Oui, secteur 150. Fox Kilo Papa, piste 08 dur, autorisé option, vent 130 degrés, 6 maximum 19. Autorisé option 08 dur, Kilo Papa. Détour, Fox novembre Lima, nous passons écho. Fox novembre Lima, rappelez vent arrière 08. Je rappelle vent arrière 08, Fox novembre Lima. Bon,
Allez, on va le calmer tout de suite. Ah, et pas besoin de réchauffe. Pas besoin de réchauffe, je mets 2000 tours, on maintient en pied. Et on cherche 80 nœuds, 900 tours. On pense. Arc blanc. Arc blanc. 900 tours, allez, encore un peu, voilà. Un cran de volée. La pompe, déjà tous les feux. Pas nickel. Alors on dirait qu'on n'est pas loin de ce qu'il faut faire. D'accord. Ça sent c'est peu. On arrive en début arrière. La tour Fox Novembre Lima, début devant arrière, pour un complet. Fox Novembre Lima, numéro 1, rappelez final, piste 08 dur. Numéro 1, je rappelle final 08 dur, Fox Novembre Lima. Ok, il est temps le damier. Fox Kilo Papa, on est plus en arrière pour une option de rupture. Fox Kilo Papa numéro 2, trafic précédent, Robin, fin de vent arrière, appelé final 08 dur. Numéro 2 et on rappelle en finale 08 dur, Kilo Papa. Fox Kilo Mike, maintenant avant point d'attente, veuillez 118-6. Fox Kilo Mike, maintenant point d'attente, on veille à 118-6. Fox Kilo Mike, la tour, alignez-vous, piste 08 dur, autorisé décollage, vent sud et sinon. Fox Kilo Mike, conseil, piste 08 dur, on est autorisé au décollage. Fox Norme Lima, piste 08 dur, autorise atterrissage vent sud de Sine. Autorise atterrissage 08 dur, Fox Norme Lima. À 110 nœuds, ça sera mieux, on est un peu bas. On est dans l'axe, le plan, 68 nœuds, c'est bien. Non, pas de vent, je vois pas de vent sur la... Empêche de descendre le truc. Ok, à travers en fait. Je réduis tôt. Arrondi. Non.
et nuit. Piste 08 du retour des options, vent 190 degrés, sineux. Retour des options, il n'y avait pas de réchauffe. Ennemi, nos transpondeurs passent sur le sol. Le sol du Fox novembre Lima 08 dur dégagé, demande roulage au parking satellite. Novembre Lima, roulez, quittez à Sadi, bon après-midi. Je roule, je quitte à Sadi, au revoir, bon après-midi également. On est à nouveau à la moitié, donc on a fait la même conso que tout à l'heure en fait. Hein? Pénage optimal. Voilà. Ok. Tour. Un parc. On éteint. Manchot. Coupe l'alternateur et ça, au revoir. L'anticol, le boss, la batterie, on libère le frein de parc et on lève les volets. Yo! Tiens, je vais arrêter la radio aussi. Bon, ça a été les gars? Ça a été. Très bien. Ah, tiens, la tête, elle fonctionne plus. Elle a dû s'éteindre dans les toutes dernières minutes. Alors, okay. On va voir le problème de l'arrière. Alors, comment que ça a été? Très bien, très bien. Un peu secoué quand même. Ah oui, ah ouais, on voit qu'on avait changé de pilote. Hein. C'est clair. Et ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Non mais c'est marrant quand même le contraste entre le matin où c'était limpide. Tranquille, hein. Tranquille, liquide. Ouais. Bon, on a bien fait de partir assez tôt, comme ça là, au moins l'aller on était tranquille, ouais. Là, ça bouge pas mal au retour, mais à 4500 ça va, ça a été. Dès qu'on est descendu à 3500, ça bouge. Ça a commencé, ouais. Bon, ben, comme ça. Hein. Bref, c'est un beau vol encore une fois. Très bien. Très bien, oui. À la prochaine fois, peut-être pour quand. Johan, il dit plus rien, tu sais. Ah, quand ça fait 5 fois qu'on a... Tant que ça déjà, moi, je sais même plus, je les compte même plus moi. Deux fois à la sortie club. Ah ben deux fois, ouais. Là c'est deux fois et nous trois. Notre fois déjà avant, ouais, peut-être un deux. Ouais. Ouais, même. Ouais, on doit être au moins 5 fois. Bon alors peut-être la prochaine fois quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Allez, bye bye. On a le 16 hein, dans 10 jours. Eh ouais.
On va faire quoi? Ben justement, peut-être quand. Ah. Peut-être.